Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi que TV Tour diffuse mon film Chambord les 4 saisons lundi 13 avril, le lundi de Pâques. C'est un film qui a été tourné dans le cadre de la production de mon long métrage Chambord qui est sorti en salle de cinéma. Et donc nous avons passé avec mon équipe, avec Jérôme Mosé, avec Philippe et Martine, les ingénieurs du son, etc. On a passé un an dans Chambord, dans le château, mais aussi surtout dans le parc, pour essayer de vous montrer de belles images de la nature de chez nous, avec les cerfs, les sangliers, les martins pêcheurs. Vous verrez la séquence du martin pêcheur que j'adore. C'est vraiment un oiseau qui est magnifique, qui est assez commun finalement, mais qu'on trouve un petit peu partout, surtout dans notre région, entre Loire et Cher, entre l'Indre-et-Loire, etc. Évidemment, c'est un oiseau très commun. Voilà, je vous souhaite une bonne diffusion, et puis surtout, restez chez vous. En plein cœur de la région Centre-Val-de-Loire, un domaine clos de 5440 hectares est un véritable havre de paix pour toute une faune. Petits et grands animaux jouissent ici de la diversité des milieux naturels. Sur les étangs, dans la forêt, au bord de la rivière du Causson qui traverse le domaine, la vie foisonne. Cet écrin de nature entoure le célèbre château de Chambord, qui est sans doute le plus majestueux des châteaux de la Loire. François Ier ne s'était pas trompé lorsqu'il a ordonné en 1519 le début des travaux de ce monument. Inspiré par Léonard de Vinci, il symbolise toute la Renaissance jusque dans ses moindres détails. Le chef-d'œuvre d'ardoise et de tuffeau trône au milieu du plus grand parc forestier clos d'Europe, qui abrite toutes les espèces animales que l'on peut rencontrer en Sologne. L'histoire des animaux qui peuplent Chambord est celle d'un cycle naturel immuable, et nous allons, au fil des saisons, entrer dans l'intimité de la vie animale qui y prospère. C'est sans nul doute la présence de cerfs à Chambord qui a attiré, il y a 5 siècles, le roi chasseur. L'espèce reste encore aujourd'hui emblématique dans le domaine. Nous suivrons au cours de l'année quelques-uns de ces rois de la forêt de Chambord. D'automne, la forêt de Chambord s'est mise à résonner des brames des cerfs. Ces rires, ces cris vont s'entendre aux quatre coins du domaine. C'est une période cruciale dans la vie de ces grands ongulés, la période de reproduction. Les biches sont au gagnage sur les prairies. Et les cerfs vont passer le plus clair de leur temps à l'égard des prés d'eux, dans l'espoir de pouvoir s'accoupler. Les biches ne sont réceptives que durant 48 heures, pendant la période du brame qui s'étale de mi-septembre à mi-octobre. C'est à qui gardera à lui le plus de biches. Plus le groupe sera important, plus le cerf aura la chance qu'une des biches soit en chaleur. Mais le plus souvent, ils se feront repousser par les grands cerfs maîtres des places de brame.
Saint-Brieuc, un jeune cerf a jeté son dévolu sur une biche et la poursuit à l'écart de la place de Brame. Ces quelques rêves n'y changeront rien. Elle n'est pas encore réceptive. Bouillonnant d'hormones, tous les cerfs à cette période de l'année vont frotter leur bois au sol ou sur la végétation pour y déposer frénétiquement leurs odeurs. Une sorte de code olfactif à destination des autres cerfs. Sur la place de Brame, les grands cerfs se mesurent, se jaugent, font des marches parallèles pour se défier. Si ces mimiques d'intimidation ne sont pas suffisantes, ils en viennent au bois et s'affrontent dans des combats qui peuvent parfois être violents. La période du brame est épuisante à plusieurs titres pour les cerfs. Les combats peuvent endommager leur ramure. Ils ne s'alimentent quasiment plus et peuvent perdre 30% de leur poids. À la fin de cette période, qui aura duré entre 3 et 4 semaines, les cerfs vont enfin pouvoir se reposer. Certains garderont les marques du brame, des écorchures, des bois cassés, ou bien encore des boiteries suite à leur joute entre mâles. Autour du château qui trône au cœur du domaine, les cris des cerfs vont doucement se faire plus discrets à l'approche de l'automne. La forêt va se teinter de chatoyantes couleurs. Le mur de 32 km de long, construit dès le XVIe siècle, ceinture les paysages. Au final, le domaine a exactement la surface de Paris intramuros. Ici, s'entremêlent les différents milieux naturels typiques de la Sologne, qui reposent sur des sables et des argiles. Les amphibiens recherchent une souche, un arbre mort tombé au sol pour s'y abriter et y passer l'hiver. La salamandre n'échappe pas à la règle. Elle était le symbole de François Ier et on lui prêtait la vertu d'éteindre le mauvais feu et à l'inverse de se nourrir du bon. C'est pourquoi à Chambord, elle est représentée en train de cracher de l'eau ou d'avaler des flammes. L'hiver, le domaine semble figé. Le calme règne en maître. Les rois et les propriétaires successifs du château le fréquentaient peu à la froide saison, tellement il était difficile de chauffer un tel monument installé sur d'anciens marécages. Sur les étangs du domaine, l'heure est au barrage chez les canards colverts. Leurs amours se déroulent en hiver et les mâles ont revêtu pour l'occasion leurs plus beaux habits. Ils se coiffent d'une cagoule de plumes vertes pour mieux séduire les femelles. Les hochements de tête sont le signe d'une conclusion imminente. La femelle n'a plus qu'à s'immerger. Dès que l'accouplement est terminé, le couple s'adonne à un rituel. Les oiseaux se baignent et s'ébrouent. Bien que semble régner un désordre dans ces parades, tout est ritualisé et a pour fonction la formation des couples. La femelle s'occupera ensuite seule de la construction du nid et de l'élevage des canetons. Une partie de l'eau des étangs est désormais gelée.
Les oiseaux d'eau se regroupent pour maintenir de petites surfaces d'eau libres. Pêcheur à l'affût par excellence, le héron cendré a trouvé ce matin un petit coin de pêche propice. Autres pêcheurs émérites, les martins pêcheurs du domaine se disputent les meilleurs postes. Ils parcourent les fossés dont les eaux ne sont pas figées, en quête de petits alevins et autres gardons. En période de disette, une foule d'espèces se concentre sur les meilleurs endroits. Le rouge-gorge y recherche la moindre graine enfouie dans la vase, et même de minuscules alevins. Il croisera le chemin du ragondin, qui affectionne la végétation aquatique tout autant que les graines. Aux aguets, un chevalier cul blanc fait lui aussi bombance dans le déversoir de l'étang neuf. Le martin pêcheur assomme consciencieusement sa proie. Plusieurs coups portés au petit poisson et il sera avalé. Tête en avant pour éviter que les écailles ne gênent le passage dans le gosier de l'oiseau. Le plumage des oiseaux permet de supporter les fraîches températures de l'hiver. Pour tous les oiseaux, l'air enfermé entre chacune des couches de plumes sert d'isolant thermique. Ils peuvent aussi à l'occasion frissonner pour augmenter leur température corporelle et accélérer leur rythme cardiaque. Mais ces solutions sont coûteuses en énergie. Quand le manteau blanc recouvre le parc, ce n'est bien souvent que pour quelques jours. Mais dans l'intervalle, chacun des animaux du domaine a sa technique pour subvenir à ses besoins. Pour les sangliers, tout fait ventre. Omnivores, ils se délectent de l'ombrique qu'ils dénichent sous la terre. Sous les feuilles, ce sont les moindres graines et autres racines qui sont recherchées. À l'occasion, poissons et même charognes peuvent venir compléter le menu. À l'automne, ce sont les fruits forestiers, comme les glands et les châtaignes, qui sont consommés en nombre. Les cervidés recherchent les quelques brins d'herbe dissimulés sous le tapis de neige. En hiver, les feuilles de ronces viennent compléter l'apport et ils peuvent même grignoter des écorces. Dans ce domaine, clos de murs, un subtil équilibre doit être maintenu. La forêt doit offrir le gîte et le couvert aux grands angulés, les cerfs, les sangliers et les chevreuils. Leurs populations sont régulées afin de ne pas compromettre la croissance de la forêt. Les parcelles forestières en régénération sont protégées par des grillages. La végétation peut ainsi y pousser sans être grignotée par la dent du gibier. À Chambord, on peut aussi croiser la route d'une espèce non autochtone, le mouflon de Corse. Quelques animaux ont été introduits dans les années 50 pour constituer des populations dans diverses régions montagneuses françaises. Mouflons et mouflonnes sont désormais maintenus ici dans un but scientifique. Parfois, au cœur de l'hiver, l'épuisement, la maladie ont raison des animaux de Chambord. La carcasse de ce sanglier fera le bonheur de quelques consommateurs opportunistes. Thank you.
retour sur le domaine. Les températures ne sont pas encore clémentes, l'hiver n'est pas terminé. Pour les cerfs, les mois de février et mars vont être quelque peu particuliers. Ils vont perdre leur ramure. L'un après l'autre, leurs bois vont tomber. On dit que les cerfs perdent la tête et deviennent des cerfs muets, des cerfs anonymes. Seules les personnes qui les suivent tout au long de l'année peuvent alors les reconnaître grâce à des marques distinctives. La couleur de leur pelage, la marque d'une blessure dans le poil. Les cerfs les plus âgés vont perdre leur ramure les premiers, dès le mois de février. Les plus jeunes patientent parfois jusque début avril. En forêt à cette période, cerfs coiffés, cerfs avec un seul bois et cerfs mulets se côtoient. Il est possible de retrouver en forêt les bois tombés au sol. Retrouver une paire tient autant de la chance que de la persévérance, car ils peuvent les perdre à plusieurs jours d'intervalle et avoir parcouru des kilomètres sur le vaste domaine. Quand ce ne sont pas les sangliers qui les font disparaître tout bonnement, après les avoir grignotés, et tirer profit d'un excellent apport en calcium et en sels minéraux. Après la chute, il faudra alors 4 mois complets pour que la ramure repousse, se dotant le plus souvent d'andouillers supplémentaires et épaississant avec les années. Vers un âge avancé, les cerfs déclinent, on dit qu'ils ravalent, et la ramure se réduit alors. En divers lieux du parc, les sangliers mâles d'ordinaire solitaires vont s'approcher des compagnies de femelles lors de la période du rut. La majorité des laits ont leur chaleur en novembre-décembre, mais les mâles viennent tout de même vérifier et écarter les rivaux potentiels en toute saison. Comme une promesse revenue, le printemps va s'installer doucement. Les oiseaux s'égosillent pour marquer leur territoire et se faire entendre des femelles des alentours. Aux abords du château, dans la forêt, une mélodie de chant printanier résonne dès l'aurore à Chambord. Dans un petit fossé, non loin du château, deux oiseaux colorés se sont donné rendez-vous. La femelle martin-pêcheur patiente sur une branche surplombant les eaux. La partie inférieure de son bec est rouge-orangé, à la différence de celle du mâle, qui a une teinte noire. Le couple va établir son nid dans la berge du fossé, en creusant un petit tunnel. Après la ponte, le mâle et la femelle alterneront leur présence dans le terrier pour couver les 6 à 7 œufs. Les adultes feront des allées-venues durant les 4 semaines que durera l'élevage des poussins, plusieurs fois par jour, entre le fossé et le canal, pour apporter des poissons frais aux rejetons. Sur une assez longue période qui s'étale d'avril à juillet, le couple pourra mener à terme 2 à 3 couvées. Construction de leur nid. Pour les 150 espèces d'oiseaux qui fréquentent le domaine, le mot d'ordre est simple. Trouver les matériaux nécessaires à l'élaboration des nids, puis les garnir pour accueillir de la façon la plus douillette possible les œufs.
cycle naturel poursuit son cours et les bois doucement repoussent. Depuis 5 siècles, des générations et des générations de cerfs refont leur tête chaque année. Roi chasseur, François Ier n'avait pas choisi ce lieu par hasard pour reconstruire son château. Le cerf a toujours subsisté en nombre à Chambord à travers les siècles. Depuis que le domaine a été classé en 1947 en réserve nationale de faune sauvage, les cervidés sont maintenus en grand nombre. Pour faciliter les observations par le public et les captures au filet pour des besoins de repeuplement. Ces opérations de panotage, qui consistent en une reprise dans des filets d'animaux vivants, n'ont plus tellement cours maintenant. Les animaux repris à Chambord sont allés repeupler les forêts du territoire français. Certains cerfs de Chambord sont même partis en Italie et en Espagne. Dans le ciel de Chambord, de grands rapaces sont de retour d'Afrique ou de la péninsule ibérique. Une dizaine de couples de balbuzards pêcheurs fréquentent le domaine et élèvent chaque année leurs poussins. Les oiseaux reviennent fin février, début mars et retrouvent le plus souvent le nid de l'année passée. Nous sommes début avril, au sud-ouest du parc. Le couple de balbuzards est réuni. Dans le courant du 19e siècle, les effectifs avaient décliné fortement, principalement à cause des perturbations humaines. À Chambord, comme en divers lieux, des plateformes ont été aménagées sur de grands pins afin de favoriser de nouveau l'accueil de ces oiseaux. L'aire des balbuzards est un imposant tas de branches mortes, accumulées au fil des ans et construites au sommet d'un arbre dominant la forêt. Le plus souvent, un grand pin tabulaire situé en lisière de forêt ou dans une éclaircie. Les balbuzards peuvent ainsi se poser et décoller sans encombre. Et cette situation en altitude leur offre une vision à 360 degrés autour du nid. Les oiseaux sont presque exclusivement piscivores. Brème et autres mulets, tout fait ventre. Maintenues dans les puissantes serres, les proies, bien que glissantes, sont déchiquetées et rapidement englouties.
L'apport des matériaux est réalisé méticuleusement par les deux partenaires. Après la ponte, les œufs seront couvés entre 27 et 29 jours. Mâles et femelles se relaieront sur toute cette période. Les grèbes castagneux font de même. Sur la bordure de l'étang, sous les saules, ce couple a installé un monticule de végétaux. C'est le plus petit et le plus trapu des grèbes. Et il doit son nom à la couleur châtain que prennent ses joues et son cou au moment des amours. Avant chaque départ du nid, les oiseaux, prudents, recouvrent leurs œufs de végétation. Les prédateurs ailés, comme les corneilles, guettent à la période des nids la moindre opportunité de se servir en œufs et en oisillons. Du matin au soir, on peut entendre les gazouillis des jeunes oiseaux. Les nids sont garnis d'oisillons qui réclament à tue-tête la béquille aux adultes. Les mésanges bleus affectionnent les fissures des arbres ou les anfractuosités au niveau des souches. Chez les pouillots siffleurs, le nid est sommaire, juste un petit aménagement de matériaux à même le sol. Les adultes se relaient pour nourrir les jeunes affamés. De véritables becs ouverts, attentifs aux moindres vibrations, qui pourraient signifier l'arrivée d'un parent. La mésange charbonnière choisit le plus souvent une souche pour y construire son nid. Au sol, les nids sont très vulnérables, car nombre de prédateurs peuvent sans difficulté s'emparer des œufs ou des oisillons. Chez certaines espèces, plusieurs nichées sont effectuées chaque printemps. Les adultes, après la béquille, patientent pour récupérer les déjections des oisillons, qui se présentent sous forme de sacs fécaux, évitant ainsi une accumulation dans le petit nid. Bien à l'abri dans une souche, les oisillons du rouge queue à fond blanc attendent. La première à se présenter au nid est la femelle. Au menu, chenilles et autres larves. Nés tout nus, les oisillons vont en quelques semaines seulement se doter d'un plumage qui leur permettra de s'envoler des nids. Voici maintenant le mâle reconnaissable à sa tête noire et sa gorge rouge. Au fur et à mesure que les petits grandissent, les allées venues des adultes s'intensifieront. Sur le domaine, 14 étangs sont répartis. Certains creusés par les moines au Moyen Âge ont traversé les siècles. Avec les mares et les zones humides, ils sont un paradis pour de multiples espèces. Qu'ils y nichent, qu'ils les fréquentent pour s'abreuver ou se rafraîchir. Pour les grenouilles vertes, les étangs sont à la fois des lieux pour les parades printanières et pour la ponte de leurs œufs. Dans l'eau aussi, la promesse du cycle naturel poursuit son cours. Devenus têtards, leur métamorphose permettra de donner la future génération. La plus prolifique du domaine. 3 mois, 3 semaines et 3 jours après l'accouplement,
l'allée a mis bas dans un chaudron isolé dans la forêt. Entre 2 et 10 marcassins y voient le jour. En moyenne, l'allée pourra avoir une portée par an. Très vite, les petits sont aptes à suivre leur mère dans ses déplacements en sous-bois. Nourris au lait maternel durant 3 à 4 mois, les petits têtent de préférence leur mère. Mais une autre lait peut tout aussi bien allaiter des rejetons qui ne sont pas les siens. Ils seront capables de subvenir à leurs propres besoins vers l'âge de 6 mois, mais ils resteront dans le groupe familial encore 1 à 2 années. Dans le domaine de Chambord, les populations de grands ongulés, comme les cerfs et les sangliers, sont estimées tous les ans. Les plus importants en nombre restent les sangliers. Ils sont entre 1500 et 1600 individus, et la population peut doubler tous les ans. Les cerfs et les biches sont quant à eux estimés entre 800 et 900 animaux. Au mois de juin, la repousse des bois des cerfs se poursuit. Le temps est venu de voir l'évolution de leur ramure. Sous Louis XIV, la rivière du Causson qui traverse le parc a été déviée par un canal pour alimenter en eau les douves au pied du monument. Ainsi, ont été créés différents milieux favorables à tout un cortège d'espèces. Au bord du canal, dans la roselière, un couple de fauvettes aquatiques, des rousserolles et farvates, construisent leur nid bien tressé autour des roseaux. Les oiseaux couvrent consciencieusement leurs 4 ou 5 œufs. Dans un des nids de la roselière, un phénomène étrange se produit. Un petit oiseau tout frêle expulse les œufs de rousserolles hors du nid. Plongés dans l'eau froide du marais, ils n'auront aucune chance d'éclore un jour. Ce petit oiseau est en réalité un oisillon de coucou, dont la maman est venue quelque temps auparavant pondre dans le nid de la rousserolle effarvate. La raison ? Un parasitisme. Les coucous parasitent des nids et vont faire élever aux fauvettes leur unique petit. Le petit coucou éclot avant les petites rousserolles et il est programmé génétiquement pour se débarrasser de tout objet contenu dans le nid. Au cœur de la forêt, au mois de mai, le temps des naissances a sonné. Les biches vont se préparer à mettre bas. Le brame a eu lieu il y a 8 mois et leurs ventres se sont progressivement arrondis. Elles vont rejoindre des endroits isolés, des fourrés, se mettre à l'abri des regards pour donner naissance à leur unique fang. Les petits demeurent cachés au premier jour de leur vie, dissimulés sous des feuillages, et ils peuvent compter sur leur mimétisme pour passer inaperçus. Ils resteront seuls les premiers jours de leur vie, couchés, en attendant que la biche vienne à eux pour les allaiter. Ils trouvent assez vite le chemin des mamelles.
éléphants peuvent se lever dans les minutes qui suivent la naissance et encore frêles sur leurs pattes, déjà commencer à téter. La biche allaitera son petit durant près d'une année. Sorties. Renards, lapins et blaireaux cohabitent dans le vaste domaine. Leur point commun, ils creusent des terriers pour y vivre et y élever leurs petits. Pour ces cinq renardeaux, c'est l'heure de la première sortie du terrier. Les sens s'en éveillent, tout est découverte. Ils entendaient vaguement les bruits de la nature environnante depuis le fond des terriers. Mais maintenant, dehors, tout est amplifié. Tout paraît si grand. L'extérieur devient un vaste terrain de jeu. S'observent rarement le jour. Ils préfèrent à ces heures le refuge de leur vaste galerie. Mais en fin de journée, une mère et ses blaireautins s'offrent une sortie au grand jour. Ils sont bateaux et à juste titre surnommés les petits ours des forêts. Comme pour les renardeaux, la sortie au grand jour va rimer avec des poursuites et des jeux. Séance de toilette. Seul ou à plusieurs, l'idée est de se débarrasser de ces satanés parasites. Le petit coucou a bien grandi. Seul dans le nid qui sera bientôt trop petit pour lui, il attend que ses parents adoptifs lui apportent la béquille. Les adultes ne semblent aucunement perturbés. Un bec ouvert est un bec à nourrir. Dans les douves du château, un autre nid a été parasité. Cette fois, le jeune coucou est né dans un nid de bergeronnelle grise. Même fonctionnement ici. Les œufs de la bergeronnelle ont été consciencieusement expulsés du nid et le jeune coucou attend seul la béquille des adultes. Pour cette bergeronnelle des ruisseaux, pas de parasitage du nid cette année. Les adultes élèvent leurs propres oisillons. Dans les jardins à la française, réaménagés comme ils étaient sous Louis XIV, ce sont divers oiseaux qui ont élu domicile. En limite des jardins, c'est un couple de piques noirs qui a établi sa loge.
Les poussins voraces réclament chacun leur tour la béquille. Et les adultes se relaient pour satisfaire leurs estomacs. En forêt, ici et là, sont conservés des arbres morts, favorables à tous ces oiseaux, que l'on dit cavernicoles, et qui occupent les moindres anfractuosités de bois. C'est le cas des pics et pêches, mais également des citelles torchepons. Abritant un abondant gibier, les crins de verdure qui entourent le château avaient attiré François Ier. Depuis 5 siècles, la forêt a bien évolué. Elle occupait en 1519 moins de la moitié de la surface du domaine, essentiellement des feuillus comme les chênes, les châtaigniers et les bouleaux. Des reboisements ont par la suite eu lieu en 1821, puis au milieu du XXe siècle. Les résineux, comme les pins sylvestres et les pins maritimes, ont pris de l'ampleur et sont aujourd'hui à parts égales avec les feuillus sur le parc. La forêt est au maximum gérée en taillis sous futaie pour servir de gîte et de couvert à la faune de Chambord. Au cœur de l'été, les sangliers vont de nouveau s'adonner à des joutes entre mâles. La forêt résonne de leurs grognements puissants. Les plus gros affichent leur supériorité en hérissant les poils de leur crinière. Hirsutes, ils déposent leurs barbes sur la végétation et marquent leur territoire. Mimique, posture et vocalise, tout est bon pour défier les autres mâles et s'afficher devant les femelles. Un peu partout sur le domaine, dans les différentes compagnies, les sangliers vont tout tenter pour s'accoupler. Les cerfs, la repousse des bois est achevée. Le trophée est encore entouré de cette peau soyeuse, le velours, qu'il aura nourri durant toute sa croissance. On dit de certains cerfs qu'ils ont une tête bizarre. C'est le cas de celui-ci, rencontré dans le nord du domaine. Ces deux bois ne sont pas semblables par leur forme, par leur taille et le nombre d'andouillés. A-t-il eu un accident lors de la repousse des bois? Ou cette bizarrerie est-elle inscrite dans son programme génétique? Les étourneaux en sont à leur seconde nichée cette année. Sur le pelage des cerfs, ils trouvent quantité d'insectes qui seront au menu des oisillons. Les adultes peuvent faire entre 100 et 300 visites par jour pour apporter de la nourriture aux poussins. Pour les rapaces du domaine, l'heure est à l'élevage des poussins. Les petits de l'épervier sont au nombre de 5 cette année. Chez les circaètes Jean Leblanc, un seul poussin est de mise. Le grand jeune patiente en attendant le retour des adultes qui le nourrissent de serpents et de batraciens. 3 couples de circaètes Jean Leblanc fréquentent Chambord tous les ans. Les adultes partent en chasse dès que l'air leur permet de prendre les courants ascendants. Comme chez la majorité des prédateurs, une adaptation du nombre de jeunes se fait en fonction des ressources alimentaires disponibles. Les éperviers peuvent ainsi avoir entre 4 et 6 jeunes selon les années.
l'étang de Montrieux va être le théâtre de rassemblement d'espèces qui peuplent Chambord. Du matin au soir, il va attirer une faune variée. Profitant de la baisse du niveau de l'eau, les oiseaux piscivores vont s'y concentrer. Commun sur tous les étangs du domaine, les hérons cendrés vont côtoyer divers échassiers plus ou moins rares de la région. La cigogne noire est une visiteuse peu commune. Depuis quelques années, elle s'observe à Chambord dans le courant de l'été. Opportuniste comme sa cousine la cigogne blanche, les poissons et les batraciens constituent la part dominante de son alimentation. Elle complète son menu par des micro-mammifères, des reptiles, des crustacés et même des insectes. Plus grande que le héron cendré, avec un bec jaune et un plumage blanc, la grande aigrette fréquente elle aussi les étangs de Chambord. Les aigrettes garzettes, plus petites et au bec noir, complètent le tableau des échassiers. Avec la baisse du niveau des eaux, les vases mis à nu vont être un garde-manger pour nombre d'oiseaux. Avec frénésie et en hochant la queue en permanence, les chevaliers vont se délecter. Les bergeronnettes grises vont elles aussi arpenter les bordures embasées de l'étang pour y dénicher divers mollusques. Il est temps pour les cerfs de perdre le velours qui entoure leur bois. Mais avant, il faudra en passer par quelques journées peu glorieuses. Lorsque ce velours nourricier va se détacher en lambeaux, les cerfs perdent pour un temps de leur superbe. Lorsque ce moment sera passé, les bois bien blancs vont doucement reprendre des couleurs et les cerfs auront pour le brame prochain leur ramure refaite à neuf. À Chambord, le petit gibier côtoie le gros. Il n'est pas rare de croiser des faisans communs. Ils étaient probablement déjà là à l'époque de François Ier, car ils ont été importés d'Asie vers le 9e siècle. Au cœur de l'été, les petits trous d'eau, les mares et les queues d'étang sont un lieu de rassemblement d'une multitude d'espèces qui vivent à Chambord. La gente ailée se concentre dans ces lieux. Les oiseaux ont besoin d'eau pour boire, se nettoyer et parfois même pour construire leur nid. À la différence des mammifères, ils n'ont pas de glandes sudoripares. Ils transpirent donc moins, mais ils perdent de l'eau quand ils respirent et dans leur déjection. La plupart des passereaux remplacent l'eau perdue en buvant au moins deux fois par jour. L'eau sert aussi aux oiseaux pour la baignade. Ils s'y rafraîchissent et ils nettoient leurs plumes. Leur lissage sera ainsi facilité après l'élimination des saletés qui s'y insèrent. À l'heure où le soleil descend, toute une compagnie de sangliers se retrouve sur les bords de la mare de la Chapelle. Pour les sangliers, l'eau et la boue sont le mélange idéal pour se souiller. Se vautrer dans la boue, s'enduire de cette terre, semble un délice à les observer. Ce comportement est instinctif et fonctionnel. En s'enduisant de boue, ils pourront ainsi piéger les divers parasites qui s'insèrent contre leur gré dans leur poil. Les petits du sanglier, les marcassins, apprennent ce comportement par imitation des adultes.
figures claires et sombres sont un excellent camouflage et disparaîtront vers l'âge de 6 mois. Les petits deviennent des bêtes rousses. Devenu adulte à 1 an, le sanglier va encore changer de nom et on le nommera bête noire ou bête de compagnie, car il reste avec les autres sangliers du groupe. Plus tard, les mâles quitteront la compagnie et vivront seuls. Au cours de l'histoire de Chambord, les sangliers ont connu diverses fortunes. Il était très prisé par le fougueux maréchal de Saxe, qui aimait le chasser. Puis il fut jugé indésirable par les princes de Bourbon et de Parme, qui eût préféré le petit gibier. Depuis 500 ans, le monument est le gardien du parc de Chambord. Ils ont tous deux traversé les siècles grâce à la bonne gestion des différents propriétaires. Comme chaque année, dès la fin de l'été, doucement, aux quatre coins de la forêt de Chambord, les brames des cerfs vont de nouveau se faire entendre. Ils auront 1 mois pour perpétuer l'espèce et assurer leur descendance. Tous les ans, depuis 5 siècles, dans les différents milieux du domaine, de nouveaux petits voient le jour selon un cycle naturel, immuable.